Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de transferts. Les premiers transferts ont eu lieu en Ligue 1 Conforama, donc on va voir plusieurs catégories de transferts, les transferts officiels, les transferts très proches, les transferts qui vont se réaliser dans les prochains jours et les transferts un petit peu... Qu'on parle en fait, les joueurs qu'on parle dans un autre club. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le transfert officiel. Le Mercato a ouvert ses portes aujourd'hui. Il y a déjà des transferts officiels qu'on va voir ensemble. Donc on commence tout de suite les transferts officiels pour l'année 2020-2021 avec un joueur qui évoluait déjà dans ce club cette année. Et qui donc maintenant est acheté définitivement par l'Olympique Lyonnais, c'est Monsieur Kartoko Ekambi qui signe pour 4 saisons avec l'OL. Ensuite encore un joueur qui évoluait dans ce club cette année et qui est donc maintenant définitivement avec le Paris Saint-Germain. Il était prêté par l'Inter Milan et il a signé donc officiellement, c'est Mauro Icardi. Ensuite, il passe d'un club breton à un autre, Jean-Charles Castelletto, qui a signé officiellement du côté des Canaries, du côté du FC Nantes, il vient tout droit du Stade Brestois. Et enfin, le dernier transfert officiel, c'est celui du jeune Jean-Philippe Crasso, qui arrive tout droit d'Épinal, club de National 2, si je ne me trompe pas, pour arriver donc en... Ligue 1, du côté de la Saint-Etienne, lui, qui était l'une des grosses révélations de la Coupe de France et qui arrive donc face à la Saint-Etienne, c'était en demi-finale, qui se sont fait éliminer, quart de finale, et donc la SSE l'achète pour l'année 2020-2021. On passe maintenant au transfert, on en parle, donc les joueurs qui peut-être sont soit très proches, du club, soit des joueurs où on en a entendu parler par-ci par-là, mais il n'y a absolument rien d'officiel. On commence avec Milinkovic-Savic, ce sera un très gros coup pour le Paris Saint-Germain qui est dessus depuis plusieurs saisons maintenant, et c'est assez proche de se réaliser, donc les Parisiens sont sur Milinkovic-Savic, ça serait vraiment un très très joli coup, ils étaient aussi sur Bennacer, l'Algérien. Et ils sont sur un autre calibre maintenant, qui est le joueur de Lazio, Milinkovic-Savic. Ensuite, et c'est très très proche de se réaliser, on en parle depuis maintenant plusieurs jours, Mbaye Niang est très proche de signer à l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas officiel, mais les dirigeants olympiens sont dessus, et je pense que ça peut se faire dans les prochains jours. Passons maintenant à un jeune du Paris Saint-Germain, un jeune milieu de terrain, Adil Aouchiche, qui est très proche de partir du côté de l'AS Saint-Etienne, qui pourrait faire une deuxième jeune arrivée après celle de Jean-Philippe Crasso, que le PL voudrait vraiment, ce jeune milieu de terrain, espoir de Paris. Encore l'AS Saint-Etienne, après la saison catastrophique qu'ils ont passée, ils veulent aller chercher des jeunes joueurs et... Ce joueur-là en fait partie, Jovan Cabral est très très intéressé, le profil intéresse vraiment l'AS Saint-Etienne, donc à voir dans les prochains jours, hein, plusieurs joueurs pourraient arriver du côté de la SSE, dont Jovan Cabral. Et enfin, le dernier joueur, un autre joueur qui pourrait partir d'un club breton pour aller jouer dans un autre, c'est Jérémy Morel qui pourrait... finir sa carrière du côté de Lorient, il pourrait quitter le Stade Rennais pour aller du côté des Merlus pour la saison 2020-2021. C'est la fin de cette vidéo Mercato, j'en ai peut-être oublié, hein, surtout dans les « on en parle ». Dites-moi si vous avez entendu d'autres transferts qui pourraient se réaliser. C'est donc la fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Et donc une nouvelle vidéo, à très bientôt et ciao !